Soyez bénis, que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. J'espère que vous m'entendez très bien. Voilà, j'espère que vous m'entendez très bien. Si vous m'entendez très bien, faites-moi signe si la voix est bonne. Si vous m'entendez très bien, faites-moi signe. Ok, soyez bénis. Ok, sois béni. Est-ce que le son est bon? Ma fille, est-ce que le son est bon? Est-ce que tu m'entends? Voilà, si le son est bon, j'aimerais qu'on me fasse signe si le son est bon. J'aimerais qu'on me fasse signe si le son est bon. Parce que... voilà, si vraiment on m'entend bien, voilà, je fais-moi signe, dites-moi ok. Si le son est bon, si vous m'entendez très bien. Voilà. Ok, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Voilà. Tout à l'heure, nous allons commencer un thème très, très important. Un thème vraiment très, très important. Donc, connectez-vous. Commencez à partager la vidéo. Voilà. Mélissa, partage la vidéo. Partage la vidéo. Commencez à partager la vidéo pour que tous ceux qui sont en ligne puissent vous se connecter rapidement, partager la vidéo. Partager la vidéo. Tout à l'heure, on va commencer. Donc, commencez à partager la vidéo. Tout à l'heure, on va commencer. Voilà, partager la vidéo. Tout à l'heure, on va commencer. Nous allons commencer un thème vraiment très important. Et le thème, c'est rebâtis ton espace. Voilà, le thème est rebâtis ton espace. Rebâtis ton espace avec le Seigneur. Tu dois rebâtir ton espace. Voilà. Donc, tout à l'heure, dans quelques instants, nous allons commencer. Dans quelques petites minutes, nous allons commencer. Donc, commencez à vous connecter. Partagez la vidéo. Tous ceux qui se connectent, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Tous ceux qui se connectent, partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Tous ceux qui se connectent, commencez à partager la vidéo. Voilà, je vous attends, je vous attends. Je vous attends, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Le thème de ce matin, c'est rebâtis ton espace. Voilà, rebâtis ton espace. Donc, partagez la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Commencez à partager la vidéo. Partagez la vidéo. Ça fait déjà deux personnes qui sont en ligne. Partagez la vidéo. Je vous attends, je vous attends. Partagez la vidéo. Tout à l'heure, nous allons commencer. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, je bénis ton nom pour ta présence. Je te dis merci pour ce moment, pour ce temps de faveur, pour ce temps de grâce, pour ce temps d'abondance où tu vas manifester ta puissance. Je bénis ton nom, admirable conseiller. Je te rends toute la gloire, papa. Merci, mon Dieu, mon roi, Père, de ce que tu as permis ce temps-là. Un temps de faveur, un temps de gloire, un temps où tu vas manifester ta puissance, un temps où tu vas manifester ta gloire. Père, je bénis ton nom pour ta présence. Je te dis merci au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que la gloire te revienne. Merci de ce que tu as permis que toutes les gens puissent se connecter, Père. Seigneur, envoie des personnes à se connecter sur ce live. Seigneur, envoie des personnes à se connecter sur ce live. Manifeste ta puissance. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, je bénis ton nom parce que tu es présent pour ta gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Avant qu'Abraham ne tue,
Rumbo shita na mama skates. Inoguro combo shita na mama mama mama. Rimba shita na mama 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 mama. Rimbo gogo to shinto robo lo konto shita na mama. Ima shita ya mama 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 mama. Rimbo shita na mama skates. Shinto shiyomoro combo shita na mama mama. Rimbo shita na mama skates. Kembo shita ya mama mama. Kembo shita na ya mama 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 mama. Kembo shita na ya mama 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 mama. Kembo shita na ya mama 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 mama. Rembo bogo konto shita na mama sketa. Imbo bogo konto shita ya mama. Rembo shito robo 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 robo. Commence à partager la vidéo. Partagez, partagez, partagez. Tout à l'heure, nous allons commencer. Donc, partagez la vidéo. Tout à l'heure, nous allons commencer. Partagez, partagez, s'il vous plaît. J'attends que vous partagez la vidéo. J'attends que vous partagez la vidéo. Tout à l'heure, on va commencer. On va commencer. On va commencer. Donc, partagez, partagez, partagez. Voilà. Commencez à partager. Tout à l'heure, nous allons commencer. Nous allons commencer. Oma shika ya mama mama. Rimbo boro kombo shinta na masketa. Sois béni ma fille Oremina. Oremina, que le Seigneur te bénisse puissamment. Que la grâce, la faveur du Saint-Esprit soit avec toi. Voilà. Ormena. Voilà. C'est ma fille. C'est ma fille. Je l'aime beaucoup. Ormena. Or, que le Seigneur bénisse ton foyer. Que le Seigneur donne la paix à ton couple. La paix à ton foyer. Au nom de Jésus, que la faveur du Saint-Esprit soit avec toi. Or, que le Saint-Esprit te restaure au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Pour ceux qui sont là, qui me fascinent, qui sont là. Voilà, je veux voir le maximum de personnes connectées. Tout à l'heure, nous allons commencer. Tout à l'heure, juste après la musique. Nous allons commencer juste après la musique. Oh my God, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, merci Seigneur, merci Jésus, béni sois-tu Saint-Esprit de Dieu, alléluia, merci, merci mon Dieu mon roi, merci Jésus, merci mon Dieu mon roi, gloire à toi Jésus. Père, ce temps est un temps où tu vas glorifier ton nom. Bien-aimé, c'est un temps où Dieu va manifester sa puissance. Alléluia. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous, je vous attends. Connectez-vous, partagez. Je veux voir le maximum de partages. Partagez le live. Voilà, partagez le live sur le groupe. Voilà, partagez le live. Je veux voir le maximum de personnes connectées à ce live. Partagez. Bonne arrivée, ma fille Mélissa. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, sois béni, Mélissa. Voilà, merci. Merci de ce que tu te connectes, d'écouter le live de ton papa et de ton daddy. Sois béni, Mélissa. Que la main du Saint-Esprit soit avec toi, Mélissa. Que la faveur du Dieu vivant soit avec toi. Que la grâce du Tout-Puissant ne t'abandonne pas. Et que le miracle de ta vie se produise dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois béni et que la grâce du Tout-Puissant soit avec toi. Sois restauré, sois béni au nom de Jésus. Père, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Père, merci pour ta main puissante. Merci pour ce temps, Père. Merci pour ce temps de faveur. Oh my God, Shikaya, mama, 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 mama. Embo Shito, Robobo, Konto, Sai, Kintereri. Rimbobo Shinto Roboro Kondo. C'est l'onction du Saint-Esprit, bien-aimé, fortifie ta vie.
Que l'onction du Saint-Esprit fortifie ta vie. Que la puissance du Dieu d'Abraham restaure ton âme. My God. Que la puissance du Dieu d'Abraham restaure ton âme. Je prie que tu sois béni à l'infini. Sois restauré, Cathy. Que le Seigneur te bénisse, Cathy. Merci pour ta présence. Voilà, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, surtout dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez le live, c'est très important. Partagez le live, surtout dans les groupes. Oh my God. Merci. Gloire à toi, Jésus. Merci. Le bon côté avec toi, on peut le chanter comme on le ressent. On peut y mettre le nom qu'on veut. On peut rester dans cette monotonie. Ne dérange Dieu. Merci, Seigneur. Ça veut qu'on reste monotone dans sa présence. Ça le dérange. Père, je bénis ton nom. Merci, Seigneur. Donc, je disais le thème. Le thème, c'est rebâtir ton espace. Merci, Seigneur. Le thème, c'est rebâtir ton espace. Rebâtir ton espace. Nous allons. Merci, Seigneur. Le thème, c'est rebâtir ton espace. Donc, positionne-toi bien. Nous allons commencer. Le thème, c'est rebâtir ton espace. Rebâtir ton espace. Merci, Seigneur. Rebâtir ton espace. Donc, on va prendre notre Bible. On va prendre notre Bible. Donc, prenez vos Bibles dans le livre de Néhémie. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Néhémie. Merci, Seigneur. Ok. Rebâti, voilà, c'est ça. Rebâti ton espace. Merci, Seigneur, c'est ça. Rebâti ton espace. Rebâti ton espace. On va prendre le livre de Néhémie. Je cherche le verset tout à l'heure, puis je vous communique. Néhémie. Voilà. Ok, Néhémie. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Merci, devenant Seigneur. Plus sage, nous réalisons finalement que une montre de 3000 euros marque la même heure qu'une montre de 30 euros. Un porte-monnaie de 300 euros, chat. Merci, Seigneur. Tu as placé les étoiles. Gloire à toi, Jésus. Oh, Père, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Donc, prenons Néhémie, le chapitre 2. Néhémie, le chapitre 2. Le verset, il est très long. Il est long. Voilà. Ok. Ok. Néhémie, connectez-vous, voilà, je vois. Connectez-vous, partagez. Tout à l'heure, on va commencer. Connectez-vous. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Le verset 1 au verset 7. Néhémie, le chapitre 2, le verset 1 à 7. Il est très long, donc je vais faire la lecture une seule fois. Donc, suivez très bien. Néhémie, le chapitre 2,
Néhémie, le chapitre 2, le verset 1 au verset 13. Je bénis, sois béni Cathy. Voilà, merci, merci. Ok, merci pour le verset. Jean, je lis au mois de Nissan. Je lis au mois de Nissan. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès. Je reprends. Au mois de Nissan, la 20e année. Qui veut participer au live, c'est qui ça? Ou ma tigante? Attends, je vais voir si je peux inviter. Si je peux. Il y a quelqu'un qui veut partager, qui veut participer. Je vais voir si je peux t'ajouter. Ça ne marche pas. Il y a un problème de réseau. Hein? Il y a le révérend Soumaoro qui voudrait que je l'invite. Bon, je sais, sinon j'ai accepté, mais j'ai l'impression que ça doit être un problème de réseau. Voilà, ça doit être un problème de réseau. Ah, ok, ça passe. Ça passe, gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Sois béni, mon révérend. Comment est-ce que tu vois du côté de Yaoundé? Je vais super bien, super, super bien. Je suis très heureux de participer à ton live et puis voir la parole de Dieu être répandue dans cette telle dimension. Je suis vraiment heureux. Amen. Waouh, c'est super. Amen. Et nous sommes. Nous croyons à ce que la parole est en train de faire au travers de ta vie et qu'au travers de ta vie, comment la parole est en train d'être, de faire du bien aux gens. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen, amen. Je suis vraiment très ravi parce que je reçois même des témoignages de ce que des personnes sont guéries, des personnes, tout le live que je fais, vraiment Dieu est en train de faire de grandes choses et je bénis véritablement tout ton soutien parce que tu as été vraiment une source d'inspiration pour moi parce que je voyais dans les débuts aussi tes lives, je voyais comment tu faisais, je voyais ta façon gestuelle, ta façon de faire les choses vraiment. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Voilà, c'est vrai, on a commencé ensemble, mais tu fais partie quand même des sources de l'une de mes sources d'inspiration. Vraiment, que Dieu te bénisse, Révérend Soumaoro, de Wafo Ministries. Voilà, je vous le présente, c'est le pasteur Soumaoro, Israël, je l'appelle aussi Raymond. Voilà, il est à Yaoundé. Il est pasteur principal de l'église de Wafo Ministries du côté de Yaoundé. Donc, pour tous ceux qui sont à Yaoundé, vous allez le voir, c'est un homme de dimension, c'est un homme, je l'appelle un homme d'une grande onction, je l'appelle l'onction sauvage. Voilà. Vraiment, que Dieu te bénisse. Cas, voilà. Man, merci beaucoup. Je suis très heureux de participer à ton émission, beaucoup de courage. Et puis, je crois, je ne suis pas surpris des témoignages parce que la Bible est claire. La Bible dit que l'œuvre de la parole est sûre. Donc, aussi longtemps que la parole est répandue, elle va agir selon le mandat arrêté par Dieu lui-même. Donc, je crois à la dimension de la parole et puis que Dieu continue de guérir encore des personnes au travers de ton ministère. Continue de faire du bien aux gens au travers de ton ministère. Nous croyons et je crois en toi. Je t'ai vu. Oh, je t'ai pratiqué, tu es un homme d'une dimension extraordinaire. Je connais ta dimension prophétique. Et vous dévoiler un secret là en direct, c'est mon prophète, je l'appelle mon prophète. Voilà, quelqu'un d'une dimension extraordinaire. Et surtout, ce matin, comme je méditais, un homme avec le cœur de Dieu, ça c'est le plus important parce que le tout n'est pas d'avoir les dons, d'avoir la connaissance révélée de la parole de Dieu. Mais au-delà de ça, il a le cœur de Dieu. Donc, en plus de connaître la parole, il a une révélation particulière du Dieu de la parole. Donc là, c'est le cœur de Dieu, un homme. Nous avons travaillé ensemble depuis tout jeune au lycée, servant Dieu sans rien attendre en retour. Juste la Alléluia. Dans les villages,
partout dans les établissements scolaires. On a vécu des moments extraordinaires. Et puis bon, voilà, on continue de faire dans les nations aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui est fait. Et c'est vraiment mon frère d'alliance. Que Dieu te bénisse. Je vais certainement te Amen. laisser aller couler dans l'eau. Amen. Voilà, Amen. voilà. Vraiment. Derrière, Que le Seigneur te on est bénisse. calme. Ok, Je donc pense à tout à l'heure. à tous mes Ok. contacts de Facebook. Écoutez ce gars-là, écoutez-le. Je vous vois en ligne, tous mes contacts voient en ce moment ce direct-là. Écoutez ce gars, prophète, prophète des nations, Adilain Kamena, écoutez-le. C'est un homme Amen. extrême. Je vous bénisse. Et puis bon, voilà. Je te bénis. Bon après-midi. À tout à l'heure. Amen. Ok. Bonsoir. Ok. Ok. Ok, que Dieu nous bénisse. Tout à l'heure, j'étais en direct avec le révérend Soumaoro de Yaoundé. Donc, en revenant à notre prédication, à notre enseignement, je parlais rebâtis ton espace. Le thème de ce live de ce matin est rebâtis ton espace. Voilà, rebâtis ton espace. Tout à l'heure, bientôt, je vais organiser un live spécial témoignage pour tous ceux qui ont été bénis. Et là, je vais inviter hors ménage, je vais inviter ma fille Mélissa, je vais inviter ma fille Nathalie, je vais inviter aussi si l'apôtre Florence aussi, elle aussi, je la prendrai en direct également. Tous ceux qui vont vouloir intervenir aussi pour dire ce que Dieu a fait pour eux, vraiment, vous serez les bienvenus. Voilà, très bientôt, je suis en train d'organiser un live comme ça, où vraiment ce sera un échange. Chacun va donner véritablement son témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Et puis de grandes choses, on pourra s'édifier véritablement. Vraiment, que Dieu vous bénisse puissamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce du Tout-Puissant vraiment soit avec vous. Voilà, je bénis tous ceux qui sont présents, qui écoutent ce live. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, je disais, on va prendre le livre de Néhémie, le chapitre 2, le verset 1 à 7. Je lis, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxercès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais il n'avait paru triste en sa présence. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. La Bible dit, jamais je n'avais paru triste en sa présence. J'aimerais que vous, quand je répète ces mots, c'est des mots forts. C'est des mots forts que je vais revenir dessus pour moi bien expliquer. Donc, la Bible dit que jamais je n'avais paru triste en sa présence. Jamais je n'ai paru triste en la présence du roi. Et la Bible dit, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Voilà. Qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai. Que demandes-tu? Voilà, c'est ça. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi. Le roi, si le roi le trouve bon, ok, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit, alors, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu du retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps.
Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Voilà. Le texte, il est très long, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible dit que voici un homme qu'on appelle Néhémie. Et Néhémie va se mettre en peine. Va se mettre en peine des ruines de Jérusalem. Néhémie aura à cœur, sois bénie ma fille, sois bénie ma fille Auré. Voilà, sois bénie ma fille Auré, que le Seigneur te bénisse. Sois bénie Marie Noël pour ton arrivée, que la grâce du Tout-Puissant soit avec toi, au nom de Jésus. Soyez bénis tous. Voilà, donc je disais que Néhémie va se mettre en peine parce que voici que depuis plus de 70 ans, combien d'années qui se sont écoulées, Jérusalem est toujours en lambeaux. Jérusalem est toujours en ruine. Jérusalem est toujours dans la destruction. Jérusalem n'a pas été rebâtie. Jérusalem n'a pas été rebâtie. Jérusalem n'est pas sorti de ses ruines. Jérusalem était toujours dans ses ruines. Jérusalem était toujours dans des difficultés. Jérusalem était dans l'abattement. Jérusalem était dans la destruction totale. Et comment Néhémie, fils d'Israël, qui servait l'un des le plus grand roi de l'époque, qui était le roi Artaxerxès, qui était un roi perse. Et ce roi était gouverneur qui gérait tous les royaumes, les provinces de la terre. Et la Bible déclare que voici un homme qu'on appelle Néhémie. Néhémie va se lever. Néhémie sera en peine parce que la maison de l'Éternel est en lambeaux. Parce que Jérusalem est en lambeaux. Parce que Jérusalem, bien-aimé, est dans la destruction. Et Néhémie, en servant le roi, sera en peine. En servant le roi, sera dans la tristesse. Et un jour, le roi va lui demander, « Mais Néhémie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais la Bible dit clairement que Néhémie va dire que « Comment moi je peux être en paix? Comment moi je peux être dans la joie si véritablement la maison de mes pères est en lambeaux. Si là où mes pères se couchent, si là où les tombeaux de mes pères sont, est en lambeaux, est en destruction. Comment est-ce que je peux avoir la paix? Comment est-ce que je peux avoir véritablement la force de pouvoir me lever? Bien aimé, aujourd'hui, je ne serai pas long dans la prédication parce qu'en temps normal, ce n'est pas ce temps-là que je peux prêcher. Voilà, mes temps réels de prédication, c'est les vendredis. Mais si aujourd'hui, Dieu, j'étais couché et le Seigneur m'a réveillé pour donner cela, bien-aimé, c'est dit quoi? C'est que Dieu voudrait que tu rebâtisses ta vie. Il voudrait que tu rebâtisses ton espace que tu as laissé en lambeaux, ton espace que tu as laissé dans les lambeaux. Ton espace, c'est quoi? Ton espace, c'est ta vie de prière. Ton espace, bien-aimé, c'est ta vie. Bien-aimé, rebâtis ton espace. Rebâtis ta vie. Rebâtis ta vie. Bien-aimé, il faut que tu rebâtisses ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, il faut que tu rebâtisses ta vie. Il faut que tu rebâtisses ta vie. Aujourd'hui, tu as eu peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de conversion. Est-ce que tu t'es assis pour voir si ta vie est véritablement bâtie sur le fondement de Dieu? Oh my God. Je dis un mot fort. Est-ce que tu t'es assis pour voir si ta vie est véritablement bâtie sur le fondement céleste, sur le fondement de Dieu, sur le fondement, si tu es sur le fondement véritable? La Bible dit clairement que si les fondements du juste sont renversés, si les fondements sont renversés, le juste
Le juste, que fera-t-il? Le juste, que fera-t-il? Si les fondements sont renversés, bien-aimés, alléluia. Souvent, ce passage, les gens comprennent mal ce passage. Souvent, quand on prend ce passage, les gens pensent que non, les fondements, c'est quoi? Les fondements, les gens pensent que les fondements, peut-être que c'est la vie passée. Peut-être que les fondements, c'est quoi encore? Les gens pensent que les fondements, c'est la vie pécheresse, ou bien l'ancienne vie. Voilà, non, les fondements, ça veut dire, si les fondements du juste, ça veut dire que le juste est là, mais ses fondements sont renversés. Le juste est là, mais ses fondements sont renversés. Et si on parle du juste, alors on parle tout de la vie passée. Mais quels sont les fondements qui doivent être renversés? Mais le diable peut renverser les fondements de Christ qui est en toi. Si toi-même, tu ne prends pas garde pour veiller sur ta vie, pour voir si tu es véritablement sur la fondation véritable, pour voir si tu es sur le fondement véritable. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, on mène une vie chrétienne sans savoir si nous sommes dans le fondement véritable. Oh my God. Sois béni. Que Dieu vous bénisse. On mène une vie et on ne sait pas si on est dans le fondement véritable. Tu peux rencontrer quelqu'un qui peut renverser le fondement de Christ qui est en toi. Je dis, tu peux rencontrer quelqu'un qui peut renverser le fondement de Christ qui est en toi. Parce que il suffit simplement qu'il t'entraîne vers des choses que Dieu n'aime pas. Il va renverser le fondement de Christ qui est en toi. La Bible dit, ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? La parole, ne savez-vous pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs? Donc, comprenez cela. Donc, sachez que en rebâtissant ton espace, bien-aimé, tu peux rencontrer des personnes qui seront là, qui vont t'empêcher. Qui seront là comme les Shambhala et les Tobija, des ennemis de ta foi chrétienne. Des ennemis de ta foi chrétienne. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Si tu es en train de faire chemin avec une personne et que la personne te tire vers le bas, sépare-toi de la personne. Sépare-toi de la personne. Oh my God. Sépare-toi de la personne. Tu fais chemin avec quelqu'un. Et tu sens que la personne te tire vers le bas. Sépare-toi de la personne. Tu fais chemin avec une personne. Et tu sens que la personne ne t'apporte rien de bon. Sépare-toi de la personne, bien-aimé. Parce que Dieu ne t'a pas appelé, bien-aimé, à la médiocrité. Il t'a appelé à avoir des meilleures choses. Alléluia. Il t'a appelé à aller et à gravir les échelons. Bien-aimé, écoute, Néhémie est allé rebâtir les murailles de Jérusalem. Néhémie est allé rebâtir les murailles de Jérusalem. Toutefois que ta vie sera dans les murailles, et sera, pardon, toutefois que ta vie sera en lambeaux, toutefois que les murailles de ta vie seront fissurées, l'ennemi rentrera pour te troubler. Arrête-toi un seul petit instant dans ta vie. Je dis un seul petit instant, arrête-toi. Et essaie de voir si ta vie, bien-aimé, n'est pas en lambeaux. Et rebâtis ton espace. Et rebâtis ta vie. Bien-aimé, tu t'es entouré de personnes qui t'ont blessé. Tu t'es entouré de personnes qui t'ont choqué. Tu t'es entouré de personnes qui t'infligeaient des blessures spirituelles, des blessures émotionnelles. Arrête-toi un temps soit peu. Et puis fais, essaie de voir quelles sont les personnes qui ne t'arrangent pas. Fais le tri, bien-aimé, et sépare-toi d'eux dans le but de te rebâtir une vie solide devant le Seigneur. Oh Jésus, dans le but de te rebâtir une vie solide devant le Seigneur. Bien-aimé, rebâtis ton espace.
rebâtis ton espace. Rebâtis la vie de tes enfants. Rebâtis, bien-aimé, la vie de ton foyer. Rebâtis la vie de ta famille. Alléluia. Regarde, la maison d'où tu étais, ta famille d'où tu étais, et Dieu t'a enlevé et tu t'es converti. Il faut que tu rebâtisses cette maison que l'ennemi est en train de torpiller. L'ennemi est en train de maltraiter. La maison de ton père, bien-aimé, qui est sous le pouvoir de l'homme fort. Bien-aimé, tu dois rebâtir cette maison. Si Dieu t'a fait sortir de l'esclavage de l'homme fort, oh my God, c'est pour que toi, tu sois une lumière. C'est pour que toi, tu sois une force pour que cette maison soit libérée. Tu ne peux pas être dans la joie si ta famille croupit dans la malédiction de l'ennemi. Tu ne peux pas être dans la joie, bien-aimé, si tu sais que ton frère, s'il meurt, il va en enfer. Si tu sais que ta soeur, si elle meurt, elle va en enfer. Tu sais que ta maman, si elle meurt, elle va en enfer. Tu sais que ton papa, s'il meurt, il va en enfer. Tu ne peux pas être dans la joie comme l'ennemi a éprouvé une tristesse quand il servait le roi. Il dit, non, je ne peux pas être dans la joie si la maison de mes pères, si la ville de mes pères est en lambeaux, si l'espace où je dois étendre mes limites, où je dois étendre mes limites, si cet espace est en flambeaux, je ne peux pas être dans la joie, bien-aimé. Il y a des chrétiens comme ça qui sont dans la joie. Je ne dis pas que tu dois forcer les choses, non. Je ne dis pas que tu dois forcer les choses, non. Mais je veux te faire comprendre que prends ne serait-ce qu'un seul petit instant pour ta famille qui se meurt, pour tes frères qui se meurent dans le péché. Prie pour eux. Même un seul petit instant. Ne les oublie pas. Parce que s'ils meurent, ils vont à l'enfer. Et Dieu ne t'a pas fait sortir de là pour que tu les regardes aller en enfer. Alléluia. Bien-aimé, rebâtis ton espace. Ton espace, bien-aimé, c'est les limites où tu dois prendre soin de ça. Est-ce que tu prends soin de ton espace? Est-ce que tu prends soin de ton espace, de ton cœur, de ta vie? Jésus à la porte, bien-aimé. Jésus à la porte, bien-aimé. Et c'est le temps pour nous de prendre soin de notre vie. De prendre soin de notre vie. De rebâtir notre vie. Bien-aimé, prends des temps de moments. Bien-aimé, prends des temps de moments. Des temps de consécration devant le Seigneur. Bien-aimé, consacre-toi au Seigneur. Bien-aimé, ne te consacre pas que à tout ce que tes yeux voient. Mais prends un temps de consécration du Seigneur. C'est dans la consécration qu'on se reconstruit. C'est dans l'intimité qu'on se reconstruit. Arrête un peu de parcourir les veillées de prière par-ci, par-là. Arrête un peu de partir à gauche, à droite. Mais rentre dans une intimité. Regarde, depuis le temps où tu as parcouru les veillées à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je ne dis pas que c'est mauvais de... Je ne dis pas que c'est mauvais d'aller de veiller en prière, de veiller de prière en veille de prière. Non, je n'ai pas dit ça. Voilà, je veux rectifier mes propos. Il est très important d'assister aux veillées. Il est très important d'assister aux moments de prière. Ça nous édifie, ça nous aide. Mais ne bâtis pas ta vie sur ces choses-là. Sinon, tu seras flottant. Sinon, tu ne pourras pas être assis sur le roc. Est-ce que tu comprends? Va dans le roc avec Jésus et va dans l'intimité avec le Seigneur. Parce que le Seigneur a un mot à te dire. Il a un mot à te dire, un mot qui va rebâtir un pan de ta vie qui est sur le point de s'écrouler, bien-aimé. Un pan de ta vie. Écoutez, regardez un peu, prenez le livre de 1 Roi, le chapitre 19. Le chapitre 19, je crois bien le verset, on va prendre ça. 1 Roi, le chapitre 19. Prenez un peu ce passage qui va vraiment nous parler de beaucoup de choses. 1 Roi, le chapitre 19, je crois bien le verset 11. 1 Roi, le chapitre 19. Ouais, non, 1 Roi, le chapitre 19, le verset 11. Voilà, le verset 11. Voilà, voyez, au verset 10, il répondit, on parlait d'Élie. Et le verset dit, il répondit,
J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oh my God. Élie dit que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Bien-aimé, arrivé à un stade de la vie, le Seigneur a besoin de te rebâtir pour que tu sois encore plus fort. Arrivé à un stade de combat spirituel, le Seigneur a besoin de te rebâtir pour que tu sois plus fort. Alléluia. Arrivé à un stade du ministère, arrivé à un certain nombre d'années du ministère, le Seigneur a besoin de te rebâtir pour que tu sois encore plus fort. Arrivé à une certaine période, bien aimé, de quelque chose, d'une situation de ta vie, le Seigneur a besoin que tu sois tranquille pour qu'il puisse te rebâtir. Bien aimé, la vie spirituelle, c'est comme une ville forte. Au fur et à mesure que tu reçois des obus, que tu reçois des obus, que tu reçois des obus, que tu reçois des flèches, que tu reçois des barres, si tu ne t'assois pas un temps soit peu pour essayer de rendre fort l'espace qui a reçu des obus, un jour, l'obus finira par percer cet espace et tu seras atteint. C'est pour cela, arrivé à un certain nombre d'années du ministère, arrivé à un certain nombre d'années du combat spirituel, arrête un peu tout. Arrête un peu tout et rentre dans un espace où Dieu va te rebâtir encore à nouveau pour que tu puisses ressortir comme l'aigle. Alléluia. Pour que tu puisses ressortir comme l'aigle, pour que tu sois encore plus fort en esprit. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, souvent on dit, ah, mais comment tel pasteur a pu chuter? Comment tel homme de Dieu a pu chuter dans l'impudicité? Comment tel servant de Dieu a pu chuter? Les gens se posent des questions. Les gens ne comprennent pas. C'est ça le secret. Se rebâtir, aller dans l'intimité pour se rebâtir encore à nouveau. La nature nous enseigne que les choses se renouvellent. Alléluia. La nature elle-même se renouvelle. Regardez un peu le serpent. Quand il vieillit, il enlève sa peau et il se rajeunit. Regardez un peu l'aigle. L'aigle se rajeunit. Bien-aimé, c'est pour cela, nous aussi, c'est les choses qui doivent nous faire prendre conscience que nous devons à chaque fois rebâtir notre vie pour ne pas que l'ennemi réussisse à percer et entrer dans notre vie. C'est très, très important. Regardez un peu. Élie croyait qu'il était resté seul. Il a vaincu plus de 450 prophètes de Baal, lui seul, avec la puissance du feu que Dieu lui a donné. Et il était à la fuite malgré la puissance qui se dégageait en lui. Vous savez devant qui Élie fuyait? Vous savez qui devant qui Élie fuyait? Élie fuyait devant une simple femme. Une simple femme. Il dit, mais une simple femme. Alléluia. Même si elle était reine. Il s'est levé. Il a tenu tête contre tout le royaume d'Israël. Il a tenu tête contre le roi Akab. Et c'est devant une femme, devant Jézabel, que Élie, le grand prophète, va fuir. Voici que c'était une faiblesse pour Élie. Ça, vous comprenez? C'était une faiblesse pour Élie. Et Dieu a vu que son prophète, le prophète de feu, le prophète Élie, avait une faiblesse. Donc, il va dire à Élie de partir dans une caverne pour que Élie soit rebâti, pour que son espace d'onction, son espace de puissance, de manifestation du Saint-Esprit soit rebâti. Sinon, l'ennemi avait commencé à se rapprocher de lui pour l'atteindre. L'ennemi avait commencé à toucher le cœur d'Élie. L'ennemi avait commencé à toucher le cœur d'Élie. Vous savez qu'Élie, ce n'est pas un prophète comme les autres. La preuve, pendant la transfiguration de Jésus, il n'y a que deux prophètes qui n'ont véritablement pas connu la pourriture, je peux le dire. Élie n'a pas connu la mort, Moïse n'a pas connu la pourriture. Ça veut dire que Moïse est mort, mais son corps n'a pas connu la pourriture. Donc, ces deux prophètes dans la Bible sont des prophètes spéciaux, c'est des prophètes missionnaires, c'est des prophètes
que Dieu ne pouvait pas laisser comme ça que l'ennemi puisse avoir ne serait-ce qu'un seul petit territoire dans leur cœur. Et c'est pourquoi, vous voyez que dans la transfiguration, Élie était à gauche et Moïse à droite. Donc Jésus était là et Élie et Moïse étaient venus dans la transfiguration pour parler au Seigneur Jésus dans les évangiles. Donc vous comprenez que Élie, le prophète Élie, qui va revenir plus tard dans le millénium pour annoncer l'évangile, a dit Apocalypse. Et ce même prophète Élie, vous comprenez que c'est Élie qui aura des problèmes. Élie va commencer à laisser son cœur être envahi par la peur. Élie va commencer à laisser son cœur être envahi par la peur. Vous comprenez? Et cette peur va l'envahir à telle enseigne que Dieu va voir la faiblesse et il va dire comme ça que Élie, déplace-toi, va dans un endroit, va dans une caverne, dans un rocher où je vais véritablement te fortifier, où je vais te rebâtir. Alléluia. Où je vais te rebâtir à nouveau. Mais vous savez ce que c'est la caverne, le rocher. La Bible dit que Jésus est le rocher véritable. Donc, va dans le rocher pour que le Seigneur te rebâtisse à nouveau. Va dans le rocher, dans l'intérieur du rocher, pour que le Seigneur te rebâtisse à nouveau. Et Dieu va dire à Élie, Élie, va, va. Et Élie va partir dans le là-bas quelque part. Et c'est là-bas que Dieu va commencer à parler. Et vous comprenez, Élie disait ceci, que je suis resté seul. Il dit, je suis resté seul. Alléluia. Élie dit, je suis resté seul parmi tous les prophètes. Et tous, ils cherchent à me tuer. Mais Dieu a dit, non, non, tu n'es pas resté seul. Tu n'es pas resté seul. Tu n'es pas resté seul. Alléluia. Je lui dis qu'il n'est pas resté seul. Je vous dis une chose. Souvent, quand on a tellement d'attaques, on se dit qu'on est seul. Après, j'éteins ce portable qui me fatigue. OK. Donc, souvent, quand on est tellement bombardé par les épreuves, on est tellement bombardé par les attaques, on se dit, mais toujours c'est moi seul. C'est moi seul. Pourtant, il y a plusieurs personnes. Il y a mon frère qui est là, mais c'est moi seul. Donc, c'est moi seul qui suis là. Seigneur, tu vois, je suis seul. Tu n'es pas seul à subir cela. Tu n'es pas la seule personne à subir cela. Bien-aimé, tu n'es pas la seule personne à subir cela. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas la seule personne à subir cela. Vous êtes plusieurs. Élie disait, Seigneur, je suis resté seul. Je suis resté seul. Je lui dis, non, tu n'es pas resté seul. Que je me suis réservé plusieurs prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Je me suis réservé plusieurs prophètes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Toi, tu n'es pas resté seul. C'est pas parce que tu craches le feu, que tu fais des miracles, que tu vas penser que c'est toi seul qui es le seul prophète. Alléluia. Souvent, c'est comme ça. Souvent, dans les églises, on pense que comme Dieu t'utilise puissamment, c'est toi seul. Non, hein? Non, bien-aimé. Et là, Dieu va apprendre une leçon à Élie. Dieu va apprendre une leçon à Élie. Suivez-moi bien quand je vais te continuer la lecture. Je continue la lecture, suivez-moi très bien. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. OK, donc suivez-moi bien, je lis. Je veux très bien la lecture. Donc, la Bible dit, et au verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa.
Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, ce fut un feu, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Oh my God! Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu? Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici, Élie? Que Dieu nous bénisse. Donc, vous comprenez ceci, que la Bible dit clairement, la parole de Dieu dit clairement que Élie va rentrer dans la caverne. Et dans la caverne, voici que Dieu va passer. Et quand Dieu passe, la Bible dit qu'il y eut d'abord un vent violent qui déchirait les montagnes. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans ce vent. Après ce vent, ce fut un tremblement de terre qui passa. Et la Bible dit que Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, il y eut un feu qui passa. Dieu n'était pas dans ce feu-là. C'était fort, hein? Est-ce que vous comprenez? C'était fort. D'abord, un vent violent qui passe. Dieu n'est pas dans ce vent. Après ce vent, il y a ce qu'on appelle un tremblement de terre. La Bible dit que ce tremblement de terre n'annonçait pas encore la venue de Dieu. Après le tremblement de terre, ce fut encore, quoi encore? Un feu qui passa. Mais la Bible dit que ce feu n'annonçait pas encore la venue de Dieu. C'était fort, bien-aimé. Et après, la Bible dit qu'il y eut un murmure doux et léger. Oh my God! Un murmure doux et léger. Et c'est dans ce murmure doux et léger que se trouvait la présence de Dieu. Oh my God! La présence de Dieu qui rebâtit nos vies. Bien-aimé, la présence de Dieu qui rebâtit notre espace. La présence de Dieu qui rebâtit tout en nous. Le murmure doux et léger, bien-aimé, symbolise l'intimité avec le Seigneur. Symbolise l'intimité avec Dieu. Symbolise, bien-aimé, dans la caverne, lorsque on dans l'intimité, Dieu nous donne ce murmure doux et léger, et ce murmure doux et léger, bien-aimé, nous donne d'expérimenter les grandes choses, nous donne de voir la grâce de Dieu, nous donne de voir Dieu à l'œuvre, nous donne de voir Dieu tel qu'il est, bien-aimé. Bien-aimé, le feu de Dieu en nous ne peut pas nous donner de voir Dieu tel qu'il est. Bien-aimé, les tremblements de terre qu'on peut opérer par l'onction sur notre vie ne nous donnent pas de voir Dieu comme il est. C'est dans l'intimité qu'on arrive à voir Dieu tel qu'il est. C'est dans l'intimité qu'on arrive à voir Dieu tel qu'il est. C'est dans l'intimité qu'on arrive à rebâtir, bien-aimé, les murailles de notre vie. C'est dans l'intimité. Dieu veut que tu rebâtisses ton espace. Il veut que tu rebâtisses tout ce dont, sur quoi tu as pouvoir, ce dont tu peux dominer. Il veut que tu rebâtisses cela, bien-aimé. Tu es dans un ministère. Tu es dans une assemblée, tu gères une assemblée, tu gères une église, tu gères un ministère. Dieu veut que tu rebâtisses ce ministère selon sa voix, selon sa volonté. Non pas selon la volonté des anciens de l'église, non pas selon la volonté, bien-aimé, des frères de l'église, non pas selon la volonté de la personne qui te donne des grosses dîmes, non pas selon la volonté de la personne qui te donne de grosses offrandes. Dieu veut que tu rebâtisses l'œuvre sur laquelle il t'a appelé dans sa volonté, bien-aimé, dans sa volonté, bien-aimé, rebâtis ton espace, rebâtis ton espace. La Bible dit que Élie, quand il a entendu ce murmure doux et léger, il est sorti. C'est en ce moment que Dieu va le rendre fort, que Dieu va le rendre fort, que Dieu va guérir la faiblesse qu'il avait vis-à-vis de Jézabel. Et il va aller donner la révélation pour dire que Jézabel, les chiens vont manger ta chair, les chiens vont manger ta chair. Il s'est levé pour donner la révélation à Jézabel, cette reine impie, cette reine qui vit dans le péché. Il s'est levé pour donner la révélation à Jézabel parce que Dieu l'avait formé dans la caverne.
parce que Dieu l'avait formé dans la montagne, parce que Dieu avait pris le soin de le former dans la montagne, bien-aimé. Quand Dieu te forme dans la montagne, quand Dieu te rebâtit, tu n'as pas peur de dire ce que tu ne pouvais pas dire aux gens avant. Tu n'as pas peur de dire ce que tu pouvais dire à quelqu'un avant. Quand Dieu te rebâtit dans la caverne, quand Dieu te rebâtit dans la montagne, tu deviens un homme nouveau, rebâti selon la volonté de Dieu. Alléluia. Oh my God. C'est pour cela aujourd'hui, toi qui me regardes, depuis longtemps, tu as senti que ta vie, c'est des marteaux qui tombent sur toi. C'est des marteaux qui tombent sur ta vie. C'est l'enclume, c'est l'épée de Damoclès sur ta vie à chaque fois. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, pense simplement un temps. Oublie un peu tout. Oublie tes amis. Oublie tes parents. Oublie un peu tout. Oublie ton projet. Oublie tout ce que tu as dans la vie. Oublie tout et rentre dans une intimité pour que Dieu puisse te rebâtir, pour que le Seigneur puisse te reconstruire. Tu as besoin de construction. Tu as besoin d'une nouvelle construction. Tu as besoin d'être reconstruit à nouveau. Bien-aimé, rentre, que Dieu te reconstruise à nouveau, bien-aimé. Que le Seigneur te reconstruise à nouveau. Et tu verras, bien-aimé, tu verras quels sont ceux, bien-aimés, qui t'aiment. Quels sont ceux qui veulent t'apporter quelque chose de bon ou pas. Et tu seras encore plus lucide. J'ai dit clairement, si quelqu'un ne t'arrange pas, tu as été pendant longtemps avec une personne, tu sens que la personne, au lieu de t'arranger, te tire vers le bas. Tu as fait ton analyse, bien-aimé, alors n'hésite pas à te séparer de la personne. La vie chrétienne, bien-aimé, c'est une vie où il n'y a pas de cadeau. Quand l'ennemi arrive à ta voie, il ne te fait pas cadeau. Ne permets pas que quelqu'un te tire vers le bas. Ne permets pas que quelqu'un vienne mettre un rideau noir sur ton destin. Ne permets pas que quelqu'un vienne obscurcir les desseins du Seigneur sur ta vie. Les desseins du Seigneur sur ta vie. Ne permets pas cela. Ne permets pas cela. Oh my God. Rebâtis ton espace. Néhémie est parti là-bas, à Jérusalem, avec tout ce que comporte l'insécurité. Les gens qui étaient hostiles à ce que la ville soit rebâtie. Il a bravé ces choses, il est parti. Le courage de Jérémie et plus tard avec Esdras vont permettre de rebâtir Jérusalem et ses murailles. Bien-aimé, souvent, ce qui nous empêche de rebâtir notre espace, de rebâtir la paresse, on fait manque de courage. On est paresseux par moments. On dort sur les gloires passées. On dort sur les prodiges passés. On dort sur ce que Dieu a fait dans le passé. On dit, non, mon Dieu a fait telle chose. Non, mon Dieu s'est manifesté avant. Non, mon Dieu s'est manifesté. Dieu l'a fait telle chose. Et on dort sur ses prodiges. On dort sur ses gloires passées. On ne prend même pas la peine de savoir que notre Dieu qu'on adore, ce n'est pas une eau stagnante, mais c'est une eau qui évolue. C'est une eau qui non seulement qui ne change pas, mais qui a des richesses en nous, qui a des richesses qui veulent nous faire connaître, bien-aimés. Souvent même, regardez un peu les plongeurs dans l'océan. Jusqu'aujourd'hui, l'océan regorge toujours des trésors cachés. Il y a même des êtres qui vivent dans l'océan qui sont encore méconnus, qui ne sont pas encore connus par les plongeurs sous-marins. Et souvent, quand je regarde les documents, les documentaires, ça m'étonne parce qu'on dit que c'est des êtres qu'on veut découvrir, des êtres qu'on ne connaît même pas. Voyez, donc ça vous dit que si l'océan physique, l'océan qu'on voit regorge des trésors que même le commun du mortel n'a pas encore découvert dans sa totalité, imaginez maintenant, et Dieu, voilà. Imaginez maintenant, et Dieu maintenant,
Et Dieu, dans son infinie richesse, dans son infinie richesse, dans sa gloire, bien-aimé, tu es un homme de Dieu, tu es prophétesse, tu es prophète, tu es apôtre, tu es docteur, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es une sœur, tu es un frère. Ne dors pas sur ta gloire passée, ne dors pas sur tes prouesses passées, ne dors pas dessus. Parce que la ruine va te surprendre. La ruine va te surprendre. La ruine va te surprendre. C'est comme celui qui avait reçu un talent et qui est allé enfouir ce talent dans la terre. Dieu, bien-aimé, n'était pas content de lui. Tous les hommes de Dieu qui dorment sur leurs promesses, qui dorment sur leurs prouesses, qui dorment sur leurs gloires passées, je vous dis que Dieu n'est pas content de vous. Dieu n'est pas content de vous parce que vous bloquez, vous limitez la main de Dieu. Vous empêchez Dieu de faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Vous empêchez le Seigneur d'aller de l'avant avec vous. Bien-aimés, c'est le temps pour nous de nous lever. Il faut que nous tous, nous acceptions que le Seigneur rebâtisse notre vie. Rebâtisse notre vie. Alléluia. Que le Seigneur rebâtisse ta vie. Que tu dis, Seigneur, rebâtis ma vie. Tu dis, Seigneur, rebâtis ma vie. Pour que le Seigneur puisse rebâtir véritablement ta vie. Assieds-toi un peu et fais le pont de ta vie. Est-ce qu'il y a quelque part dans ta vie un choc émotionnel que tu n'as pas encore pardonné? Quelqu'un t'a fait du mal, tu n'as pas encore pardonné. Quelqu'un t'a fait du tort, tu n'as pas encore pardonné. Quelqu'un t'a blessé, tu n'as pas encore pardonné. Quelqu'un t'a fait quelque chose, c'est dans ton cœur et tu es assis dessus. Bien-aimé, c'est une brèche que l'ennemi va utiliser pour lancer un missile sur ta vie. Pour lancer un missile, pour tirer des balles assassines contre ta vie et qui va vraiment te mener vers le bas. C'est pourquoi aujourd'hui, va dans la présence de Dieu, guéris tes blessures émotionnelles. Quelqu'un t'a promis quelque chose, peut-être il n'a pas réalisé. Ce n'est pas de sa faute. Peut-être qu'il a voulu le faire, mais les circonstances ont été autrement. C'est vrai, tu me diras qu'une promesse est une dette, une promesse est une promesse. Mais oui, certes. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'un homme qui va te promettre quelque chose, bien-aimé, laisse-moi te dire que la promesse ne se réalise que si Dieu véritablement n'est pas dedans. Un homme ne peut jamais te promettre quelque chose et réaliser la chose textuellement si ce n'est pas le Seigneur, si ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons savoir que c'est le Seigneur qui doit prendre les contrôles. Quelqu'un t'a promis quelque chose. Quelqu'un t'a promis quelque chose. Et si quelqu'un t'a promis quelque chose, la meilleure des choses que tu puisses dire, Seigneur, permets qu'il puisse donner la chose. Seigneur, permets qu'il puisse honorer son engagement. Seigneur, agis, qu'il puisse honorer son engagement. Dis cela. Dieu donnera la force de pouvoir honorer son engagement. Parce que, vous voyez, les promesses non tenues, aussi, ça crée des incompréhensions. L'ennemi utilise cela pour disperser des gens, pour créer des discordes entre l'Église, entre les enfants de Dieu. Alors que Dieu ne nous appelle pas à cela, bien-aimé. C'est pour cela, aujourd'hui, je donne ce live. Et dans le fait de rebâtir notre vie, il y a ces choses souvent qui arrivent. Et souvent, ça nous empêche et ça nous emmène hors de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps. Et je sais que tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'entendent, c'est la parole véritablement que le Seigneur m'avait donnée ce matin pour vous. Rebâtis ton espace. Oh my God. Rebâtis ton espace. Rebâtis ton espace. Rebâtis ton espace. Que la grâce et la faveur du Saint-Esprit soit avec toi. Que la faveur du Saint-Esprit soit avec toi. Que la main du Tout-Puissant te bénisse. Merci, Seigneur. Bien-aimé, Élie a été guéri. Qu'est-ce que Dieu ne puisse pas faire pour toi? Amen. Qu'est-ce que Dieu ne puisse pas faire pour toi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne puisse pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne puisse pas faire pour toi? Il est capable. Il est capable. Alléluia. Il est capable.
Il est capable de le faire. Je te dis qu'il est capable de le faire. Et il est capable. Et il n'a point changé. Il n'a point changé. Tu me regardes, le Seigneur, il a un plan pour toi dans ta vie. Il a un plan merveilleux pour toi. Un plan extraordinaire dans ta vie. Un plan où Dieu veut manifester sa grâce. Longtemps, peut-être que tu as coulé des larmes. Longtemps, tu attendais quelque chose. Longtemps, longtemps, longtemps. Mais Dieu est capable. Dieu, il est capable. Il est capable jusqu'à la dernière minute, il est capable. Jusqu'à la dernière minute, ton Dieu est capable. Il est capable. Oh my God. Merci Seigneur. Oh Moshita Yama Mama. Rimo Moshita Rama Mama. Rombo Shinto Roboro Kombo Sinta Rama Mama 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 Mama. Rombo Bobo Bobo Kombo Shinto Robo Bobo Bobo Bobo. Rembo bobo shinto lo bolo kombo saiki de ribo lo kombo saiki de skeeta. Rembo bobo bobo shinto lo bolo kombo sita ya mama mama mama. Le Saint-Esprit se lève. La présence du Dieu pour toi, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Le Seigneur te donne la force. Écoute. Je ne sais pas qui tu es, mais je vois une personne que Dieu fait la grâce d'avoir un bien immobilier. Tu as un problème de maison. 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 C'est dans l'immobilier. Tu as un problème de maison. Le Seigneur me dit qu'il est en train de t'ouvrir une porte. Une porte où bientôt tu auras les clés de ta propre maison. My God. Je dis où bientôt tu auras les clés de ta propre maison. Je ne sais pas qui tu es, mais je dis, le Saint-Esprit me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre dans l'immobilier pour toi. Oh my God. Oh Jesus. Hey, Meshita, ya mama, mama. Je dis une porte qui s'ouvre dans l'immobilier pour toi. Merci. Une porte qui s'ouvre dans l'immobilier pour toi. Une porte qui s'ouvre. Je dis, je ne sais pas c'est qui, mais je vois. Je vois ça. Le Seigneur me montre. Il me parle de quelqu'un dans l'immobilier. Pendant que je parle, je vois les clés de la maison. Les clés de la maison. Je dis, il y a un projet de maison qui est en train de s'ouvrir pour toi. My God. Reçois au nom de Jésus maintenant. Tu verras la chose s'accomplir. Le Seigneur est en train de manifester sa grâce. Le Seigneur est en train de manifester sa grâce. Il est en train de manifester sa grâce. La puissance du Saint-Esprit est en train d'agir. Reçois maintenant la grâce au nom de Jésus, toi qui me regardes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God. C'est un temps prophétique. C'est un temps prophétique, un temps de restauration. Un temps de restauration. Jesus. Jesus. Oh my God. Jesus. My God. Reçois cette grâce. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie, je dis. Une grâce sur l'immobilier, c'est fort. C'est une grâce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Je dis, une grâce. Le Saint-Esprit est en train d'ouvrir cette porte pour toi. D'ouvrir cette porte pour toi. Je vois bientôt, très bientôt, il y a une porte qui va s'ouvrir. Une porte qui va s'ouvrir. Où Dieu te fera la grâce d'entrer dans l'immobilier par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de manifester ta grâce, ta puissance. Au nom de Jésus.
Jesus. Si tu es là, dis amen, 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 amen. Si la prophétie te concerne, dis amen pour que je puisse te localiser. Dis amen, parce que je sais que ça nous donne faveur. La faveur du Dieu d'Abraham s'est levée. La grâce du Saint-Esprit est en train d'agir. Oh my God. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Ton ministère, Dieu est en train de restaurer ton ministère. Ton ministère, en tant que servant de Dieu, Dieu restaure ton ministère. Dieu restaure ton ministère. Je vois deux églises, deux ministères, deux églises que le Seigneur va ouvrir par tes mains. Cette année, je vois deux églises. Je vois deux églises. Je vois deux églises que Dieu va ouvrir cette année là-dedans. Au travers de tes mains. Au travers de tes mains, servant de Dieu. Au travers de tes mains, servant de Dieu. Servant de Dieu. Je dis, Dieu va ouvrir deux églises au travers de tes mains. Au travers de tes mains. Au travers de tes mains. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce. Dans le nom de Jésus, l'onction du Saint-Esprit touche maintenant. Au nom de Jésus, pour tous ceux qui vont regarder par la suite. Je dis, la puissance du Dieu d'Abraham te saisit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu as un problème cardiaque. Tu as un problème cardiaque. Le Saint-Esprit te guérit. Pendant que tu regardes ce live, la puissance du Saint-Esprit vient vers toi. Et le Seigneur te guérit de ce problème cardiaque au nom de Jésus. De ce problème cardiaque au nom de Jésus. De ce problème cardiaque au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je dis, le Saint-Esprit te guérit. Tu as un problème de cœur. Tu sens que lorsque ton cœur bat, tu as l'impression que ta poitrine commence à chauffer, ça te fait mal. La puissance du Saint-Esprit pénètre ta poitrine. Je dis, l'onction du Saint-Esprit te guérit maintenant au nom de Jésus. Je proclame maintenant que des flots de l'onction du Saint-Esprit t'atteignent maintenant. Je dis, des flots de l'onction du Saint-Esprit, des flots de l'onction t'atteignent et te guérit maintenant au nom de Jésus. Et te guéris maintenant au nom de Jésus. Je proclame maintenant le miracle de ta vie là où tu es. Reçois la guérison sous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Jesus. Merci Seigneur. Reçois le miracle. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni sois-tu. Recevez le miracle, la guérison. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Partagez le live. Partagez. Ceux qui veulent se connecter, partagez ce live, s'il vous plaît. Ne regardez pas ça, vous seul, partagez cela dans tous les groupes de prière pour que les gens puissent être vraiment bénis, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Partagez. La puissance du Saint-Esprit te guérit au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oh my God. Je ne suis pas une personne qui a un problème de migraine persistante. Un problème de migraine persistante, c'est un mal qui est périodique. Ça vient à des saisons bien données. Mais laisse-moi te dire que là où tu es, la puissance du Saint-Esprit envahit ta tête. Tu sens que l'onction du Saint-Esprit touche et tu sens que ta tête commence à chauffer maintenant. La puissance du Saint-Esprit maintenant est en train de consumer les germes maintenant de la migraine. La gloire du Saint-Esprit te guérit maintenant au nom de Jésus. Je dis, la migraine te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Je reprends le miracle, la guérison. Au nom de Jésus, tu guéris maintenant. Je proclame maintenant que là où tu es, la puissance du Saint-Esprit te guérit maintenant dans le nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois la guérison. Reçois la guérison.
touche au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Partagez le live, partagez dans tous les groupes de prière. J'ai dit aujourd'hui, là où tu es, la puissance te guérit. Tu sens la guérison. Tu vas expérimenter le miracle de la guérison tout à l'heure. L'Esprit te visite maintenant. Sur tout ton corps maintenant, tu guéris, tu libères dans le nom de Jésus. Tu guéris au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une personne qui en attente de Dieu une somme financière pour un projet. Il y a un projet que tu as mis en place. L'Esprit de Dieu me dit que cette somme, écoute-moi bien, très bientôt, quelqu'un t'appellera au téléphone et la personne te dira de venir, la rencontrer pour ce projet. De venir la rencontrer pour ce projet. Le Seigneur me dit que le temps où Dieu maintenant va permettre qu'il y ait des blocages financiers maintenant pour ce projet est arrivé au nom de Jésus. Est arrivé au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant cela. Pendant que je parle, il y a confirmation et que cela s'accomplit maintenant dans le nom de Jésus. Et que cela parvient à accomplissement dans peu de jours, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, my God. Oh, Jesus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la main du Saint-Esprit vous restaure. Car c'est ton temps, femme. Femme, c'est ton temps de règne. C'est ton temps de gloire. C'est le temps de ton règne. Le temps de ton explosion. Sur tous les plans. Le Seigneur rebâtit ta main. Rebâtit ton temple. Je crois au miracle. Je crois à la puissance de l'Esprit dans ta vie. Et il est su tes larmes. Il est su. Il guérit ta blessure. Je dis, il pense sur toi. Laisse tranquille. Ne pas ni à gauche ni à droite. Écoute. Même la personne qui se quitte sa compte t'a laissé tomber. Je dis, la personne... ce qui tu avais espoir t'a abandonné. Mais tiens ferme, tiens bon parce que c'est le temps de Dieu, c'est le kairos de Dieu dans ta vie, le kairos où Dieu se lève pour toi. J'ai dit où Dieu se lève pour toi. Sois restauré, que la main du Saint-Esprit soit avec toi, sois béni au nom puissant de Jésus. Sois béni. C'était le live de ce jour. Je bénis tous ceux qui ont été là, qui ont écouté ce live, qui ont été là, qui ont vraiment été là par leur présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur du Saint-Esprit soient avec vous. Voilà, moi c'est le prophète Paul Kamenan. Voilà, vous voyez, trompette de gloire, c'est le nom que j'ai mis sur ma page Facebook. Sinon, mon nom, c'est le prophète Paul Kamenan. Voilà, Côte d'Ivoire, Abidjan. Et je bénis tous ceux qui me suivent au niveau de Port-Louis, au niveau de l'île Maurice, au niveau de Cascavel, au niveau de tout l'île Maurice. De tous ceux qui me suivent également au niveau de la Côte d'Ivoire, à Abidjan également. Voilà, je fais d'abord coucou à tous ceux qui sont à l'île Maurice. Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup cette île. J'aime beaucoup l'île Maurice. Je sais que très bientôt, je viendrai là-bas pour un programme de feu, un programme de miracles, un programme de prodiges, de grandes révélations. Très bientôt, je serai là-bas. Donc, tous ceux qui sont du côté de l'île Maurice, très bientôt, le temps que cela va faire, ben je viendrai là-bas à l'île Maurice. Voilà, je viendrai là-bas par la grâce de Dieu. Voilà. Aussi, je salue
ma fille Nathalie, Nathalie Nouma, moi je ne l'ai pas encore vue aujourd'hui. Je salue tous ceux qui sont là-bas également, que je ne connais pas, l'île Maurice. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vois ici, voilà. Soyez bénis, tous ceux que je ne connais pas, ceux que je vois se connaître ici. Je vois Marina, je vois, voilà, tous ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Coucou, coucou, je vous aime très bien là-bas. Je vous aime vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, pour tous ceux qui sont là, ouais, je vois le commentaire ici. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous fais vraiment un gros bisou pour tous ceux qui sont au niveau de l'île Maurice. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, bientôt, bientôt, je serai là-bas par la grâce de Dieu. Voilà, aussi, Nathalie, Orbina, aussi ma fille Mélissa, Kevin. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. L'apôtre Florence, elle ne s'est pas connectée, m'a dit qu'elle avait un problème de réseau. Voilà, elle va regarder ce live plus tard également, il n'y a pas de souci. Apôtre Florence de l'île Maurice, voilà, que Dieu te bénisse aussi abondamment, apôtre Florence. Quand tu prendras à ce live en différé, après tu le verras, que le Seigneur te bénisse. Voilà, que Dieu bénisse également tous ceux qui sont là, Christina, Marina. Pour tous ceux que je connais, voilà, qui m'ont envoyé une demande d'amis que j'ai acceptée sur Facebook du côté de l'île Maurice, que Dieu vous bénisse abondamment également. Et puis également pour tous ceux qui sont aussi sur l'Europe, en France, je salue ma fille Claire Mbunga du côté de l'île. Voilà, que Dieu te bénisse également, que le Saint-Esprit soit avec toi, qu'il restaure et que la promesse s'accomplisse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis également Marie Noël, une dit Petre. Je parle de Marie Noël de Paris et non Marie Noël de l'île Maurice. Voilà. Il y a l'une de mes filles qui est à l'île Maurice qui s'appelle Marie Noël Jument. Voilà, c'est que Dieu te bénisse également. Mais je parle également de Marie Noël. Il y a une, non, c'est Marie-Jeanne, pardon. Il y a une qui s'appelle Marie-Jeanne. Marie-Jeanne du côté de Lyon, pas trop loin de la ville de Lyon. Voilà, Marie-Jeanne Indi Petre, que le Seigneur te bénisse également. Je sais que tu n'es pas connecté, mais tu regarderas la vidéo après. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je réponds, mon numéro, c'est le plus 225 46 90 19 17, plus 225 46 90 19 17. Pour tous ceux qui veulent m'envoyer un message sur le WhatsApp. Ce numéro également est enregistré sur le WhatsApp. Voilà, je réponds le plus 225 46 90 19 17. Le plus 225 46 90 19 17 également. Voilà. Donc, il y aura aussi pour tous ceux également qui veulent aussi bénir mon ministère, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi me fait part aussi des dons, de tout ce que vous pouvez envoyer pour le ministère. Ici en Côte d'Ivoire, nous avons des églises ici. Voilà, il y a pratiquement, nous avons des églises ici qui viennent d'ouvrir également ici. Pour tous ceux qui vont me contacter après, sur WhatsApp ou bien sûr en inbox, qui veulent véritablement bénir mon ministère, parce que je sais que tous ceux qui béniront mon ministère. Je sais que Dieu va les bénir parce que je sais l'alliance qu'il y a entre moi et mon Dieu. Je sais l'alliance qu'il y a entre moi et mon Dieu. Voilà. Et tous ceux aujourd'hui qui ont eu vraiment, qui ont vraiment béni mon ministère, je vous dis que Dieu les a bénis. Dieu les a puissamment bénis. Ils viendront rendre témoignage. Un jour, je vais faire un live où les gens viendront vraiment rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Voilà. Très, très bientôt, je vais prendre le temps de contacter toutes les personnes qui seront connectées et vont donner le témoignage. Vous voyez, il y a l'une de mes filles qui est venue, qui m'a béni. Et quand elle m'a béni vraiment avec une somme. Elle est partie. Et l'ennemi est parti voler dans son compte bancaire. Quand elle a mis sa carte bleue dans la banque a prélevé deux fois la somme. Elle était vraiment trop triste. Elle est venue. Je lui ai dit, je suis un prophète. La banque va te restituer ton argent. Voilà. Donc, elle est partie également. Elle a fait la demande. Et Dieu a permis, la banque lui a restitué son argent. Mais il y a eu une somme qui est venue se poser sur la somme qu'elle a reçue, qu'elle n'a pas compris. Voilà. Voyez là, c'est ce que Dieu fait. La banque ne peut pas se tromper.
Voilà, même si ces hommes tombent, tu ne peux pas se tromper, c'est la grâce de Dieu. Et elle est partie, on lui a dit, Madame, la somme vous appartient. On lui a dit, là, Madame, la somme vous appartient. Mais quand elle fait ses calculs, elle voit que la somme est trop sur son compte. Elle voit que la somme était de trop sur son compte. Elle m'a appelé, elle lui dit, mais elle n'a jamais vu ça. Je lui ai dit, c'est la grâce de Dieu. Quand tu investis, c'est la grâce de Dieu. Voilà, vous voyez, quand un homme de Dieu, je vous dis, c'est pas même pour moi seul. Mais quand un homme de Dieu passe à un live comme ça et que tu es béni à son live, même tu peux de temps à autre dire, ah, homme de Dieu, tu es où, dans quel pays? Et puis, faire au moins, faire c'est juste une expérience et puis financer sur son ministère. Voilà, ne serait-ce que lui envoyer un 10 euros, un 20 euros, ne serait-ce qu'une offrande de 20 euros, de 10 euros sur son ministère, juste pour soutenir l'Église, pour soutenir les pasteurs qui sont sous sa juridiction, les pasteurs avec qui il travaille. Bien-aimé, tu seras vraiment béni, tu seras richement béni. Voilà. Donc, il y a, pour tous ceux qui vont vraiment me connecter, qui vont se connecter à moi, inbox, vous envoyer des demandes d'amis, pour ceux qui véritablement ont vu le live et qui ne sont pas amis avec moi, vous pouvez m'envoyer une demande d'amis, je vais accepter. Voilà. Et puis le numéro, je réponds, plus 225 46 90 19 17. Voilà. Ce numéro, vous pouvez l'enregistrer. Ça va sortir sur votre WhatsApp également. Vous pouvez aussi m'écrire ici également sur ce WhatsApp. Et puis en inbox, vraiment, ce que vous avez manifesté de faire pour l'œuvre, je vais vraiment prendre note et puis prier pour vous. Et puis vraiment vous suivre véritablement, vraiment de façon particulière aussi. Priez pour vous et puis priez pour votre famille également, pour que Dieu puisse vous bénir richement, vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça a été pour moi un très grand plaisir d'avoir été avec vous dans ce live. Voilà, je suis le prophète Paul Camenant de la Côte d'Ivoire, voilà, Abidjan. Voilà, que la main du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez richement bénis, abondamment. Que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Je vous bénis abondamment, je vous aime, je vous aime. On se retrouvera prochainement, on se retrouvera ici le vendredi. Dieu voulant, on se retrouve le vendredi. Le vendredi, on se retrouve ici par la grâce de Dieu. On aura un autre live ici ce vendredi. Soyez bénis, soyez restaurés. Que la main du Saint-Esprit soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous fais un gros bisou un peu partout. Que la main du Saint-Esprit soit avec vous. Je prie que tout ce que l'ennemi avait bloqué, que cela vraiment se débloque, que les verrous de fer sautent, que les cadenas qui avaient été mis pour bloquer vos portes se débloquent, que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous. Ceux dans le mariage, que le Seigneur vous accorde vraiment la sécurité dans le mariage, que tous ceux qui ont des problèmes, qui voient que leur foyer ne va pas, que le Seigneur vraiment restaure leur foyer et que le Seigneur restitue tout ce qu'ils ont perdu au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez restaurés au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bye.